Bonjour, on est au championnat provincial amateur féminin. Je suis avec la meneuse après la première ronde, Valérie Tanguay. Valérie, une belle ronde de 73 aujourd'hui, égalité à la normale. Parle-nous un petit peu de ta ronde. Tu es parti avec un moins 1 sur le premier 9, plus 1 sur le deuxième 9. Qu'est-ce qui a fait en fonction? Qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Mon putting a super bien été. Je crois que c'est la clé ici. Le putting aussi doit être présent. Puis je pense que c'est ce qui m'a porté genre fruit aujourd'hui. Puis je frappais bien la balle en général. Quand je manquais la balle, je savais où la manquer. Fait que ça m'a vraiment aidé à faire des up and down puis récupérer pour un part. Puis parle-nous un petit peu peut-être du fait que dans les dernières saisons, en plus de l'été passé, les Jeux du Canada, on a joué quand même plusieurs tournois juniors ici. Ouais. Ça donne peut-être un avantage sur les autres filles là, qui ont joué peut-être moins fréquemment le terrain dans les dernières saisons. Non, c'est ça. Ici, je me sens à l'aise. Je connais le parcours, puis je sais où on doit manquer la balle ou où je dois attaquer le plus. Puis non, c'est ça. Je me sens à l'aise, puis c'est ça qui est le fun. Je peux me laisser aller sur les trous que je sais. Ah, puis dans le fond, les conditions de jeu, quand même, les verts rapides, durs et puis ondulés ici. Le fait de jouer avec l'équipe Canada puis de voyager un peu partout, de jouer dans des conditions différentes, est-ce que tu penses que ça t'aide des tournois comme cette semaine où les conditions sont peut-être un petit peu plus difficiles qu'à l'habitude? Oui, ça nous aide beaucoup. Comme le tournoi passé, j'ai été jouer sous qui va avoir le US Open l'année prochaine. Puis les verts étaient aussi ondulés qu'ici. La marge d'erreur était plus mince qu'ici. Fait que c'est sûr que ça nous prépare mettons, à venir ici. C'est, quand que je manque un coup, c'est moins dommageant que les autres terrains là, aux États-Unis fait que, qu'on a joué. Ouais, ça nous prépare très bien. Ouais, ça, dans le fond, quand tu arrives sur un terrain comme ici, tu trouves que ça donne un petit peu plus facile que les tournois habituellement. Oui, un peu. Ouais, ça, mais c'est correct aussi. Puis ben dans le fond, c'est ça, tu continues ton bon jeu dans passer aux Jeux du Canada. Bien performé ici. Là, ça continue. Tu mènes par deux après une ronde aujourd'hui sur un autre compatriote d'équipe Canada, Anne-Catherine, et puis Véronique Fortin-Latreille. Donc, comment t'approches la journée de demain? Je suis mon game plan que j'ai pris durant la ronde de pratique. Puis, je vais m'amuser sur le terrain. Puis, je sais que je suis capable de bien jouer. Donc, je vais rester positive. Puis, je vais jouer les coups un coup à la fois. Puis, on verra qu'est-ce que ça donne. Ah, parfait. Ben ouais, ben on va espérer pour toi que le bon jeu continue. Peut-être une ronde sur la normale demain. Et puis, bonne chance. Merci.